l'éducation inclusive et l'impact de la pandémie, nouveaux défis pour les pratiques. Hein, voilà le titre que j'ai prévu et que je vais essayer de développer, hein, s'il vous plaît. Et du coup, je voulais d'abord, avant d'intervenir, remercier l'ensemble des organisateurs hein, de ce colloque, hein, de m'avoir invité et de me permettre de faire ainsi une conférence. Hein. C'est un grand honneur pour moi et je remercie particulièrement Basma Frangier, présidente du TIS, hein, qui m'a sollicité il y a déjà quelques temps. Hein. Alors voilà le plan général que j'avais prévu, la crise, les nouvelles représentations du handicap, l'inclusion, l'éducation inclusive, besoins particuliers, le développement international, les variations nationales, le bouleversement de la pandémie, et puis le numérique, et enfin une conclusion générale. Donc, je crois qu'on peut passer alors vraiment à la diapositive qui est mon hypothèse de base. Hein, je crois que c'est important d'avoir une vision de travail hein, pour travailler ensemble. Mon hypothèse de base, qui reprend un petit peu ce qui a déjà été dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un effet révélateur des difficultés et des inégalités par la pandémie du Covid-19, mais que cela oriente vers des priorités éducatives encore plus évidentes et vers des pratiques pour les apprentissages. Donc, je crois que ça, c'est mon orientation générale. Et je faisais suivre par une citation de Pierre Bourdieu, une citation de 1981 hein, du célèbre sociologue Pierre Bourdieu, qui parlait des situations de crise et des situations de domination sociale. Il disait ceci, ni fatalisme ni utopie, c'est-à-dire ni penser que les choses sont désastreuses, ni penser à des lendemains qui chantent et qui vont tout régler hein, de nos situations, mais au contraire, s'armer, hein, je cite, s'armer de la connaissance des mécanismes pour les neutraliser. Et je crois que c'est une belle expression hein, que l'on peut reprendre de Pierre Bourdieu. En d'autres termes, je complète un petit peu rapidement hein, cette hypothèse de base, que la crise, la notion de crise même, hein, pas seulement la crise du Covid-19, hein, mais la notion de crise a toujours deux faces. Hein, deux faces. Hein. D'abord, la notion de crise insiste sur les aspects de malaise, hein, de difficulté, hein, crise économique, crise politique, crise sociale, voire crise éthique. Hein, mais que de l'autre côté, il y a une face, disons, plus positive. Parce que la même crise ouvre vers des horizons pour de nouvelles constructions. Hein. Alors, de manière réaliste, hein, je dirais vers des prises de conscience, des représentations qui permettent ou qui peuvent permettre hein, des pratiques renouvelées. Et c'est en ce sens-là que je vais essayer de travailler avec vous. Donc, je crois que nous pouvons voir l'autre diapositive, je crois que c'est la numéro 4. Où je rappelle les nouvelles représentations du handicap et le lien de ces représentations avec l'éducation inclusive. Alors, je crois que l'on peut résumer ces nouvelles représentations par la formule approche situationnelle. Et je cite, hein, pour illustrer hein, cette approche, cette orientation, je cite Georges Canguilhem. Je ne sais pas si tout le monde sait bien qui était Georges Canguilhem, qui est décédé maintenant. C'était un médecin philosophe, grand spécialiste de l'histoire de la médecine et de l'histoire des sciences de manière générale, qui avait publié un livre très célèbre qu'il avait élaboré pendant la Seconde Guerre mondiale, un livre qui s'appelle Le normal et le pathologique, hein, qui est traduit en plusieurs langues. Et là, je cite l'édition de 1966,
Et il disait ceci, avec une infirmité comme l'astigmatisme ou la myopie, on serait normal dans une société agricole ou pastorale, mais on est anormal dans la marine ou dans l'aviation. Je crois que cette citation est tout à fait illustrative de cette orientation qui insiste sur les situations. Hein. C'est-à-dire que en fonction du contexte de vie, hein, où sont les personnes, eh bien, on est adapté à exercer hein, des activités dans une société agricole ou pastorale, mais si on sollicite un poste dans la marine ou dans l'aviation, on va sans doute être refusé, ce que Georges Canguilhem appelait on est anormal. Alors, bien entendu, ça relative fortement aussi les notions de normal et d'anormal en même temps, bien entendu. Hein, le normal et l'anormal, maintenant, sont complètement relativisés hein, en fonction de cette citation et de cette orientation. Autrement dit, et je continue rapidement sur ma diapositive, autrement dit, il faut mettre en connexion et en forte connexion les facteurs individuels et les facteurs contextuels. Hein. Il n'y a pas de facteurs individuels isolés. Hein. Et au contraire, il faut lier fortement les facteurs individuels et les facteurs contextuels pour comprendre les situations de handicap. Et justement, il s'agit de situations de handicap et non pas de handicap tout court. Hein. Je crois que c'est un point fondamental et c'est rappelé de manière extrêmement claire hein, dans les premiers textes de la Convention internationale des droits des personnes handicapées. Les premiers textes, je veux dire le préambule même, où je crois me souvenir même l'article 1. J'essaie de passer à la... Ah voilà, non, très bien, merci. Donc, je complétais rapidement hein, aussi sur, disons, une vision critique concernant la notion d'inclusion. Alors là, peut-être que je vais choquer peut-être certains auditeurs, mais je crois qu'il faut avoir une vision critique sur toutes les notions que nous utilisons. Hein. Et je pense que la notion d'inclusion aujourd'hui hein, est devenue ce que j'appelle un mot valise. Hein. Ce que en portugais, au Brésil, on appelle ma notion guarda-chuva. Guarda-chuva, c'était une notion parapluie, hein, c'est-à-dire qui englobe tout, mais qui reste peut-être trop vague. Et je me réfère ici au texte de Charles Gardou, hein, il y a de nombreux textes de Charles Gardou, Université de Lyon, professeur à l'Université de Lyon, qui repérait dans la notion d'inclusion des dimensions qui renvoyaient à l'idée de clôture, de réclusion, de fermeture, hein, et avec l'idée aussi d'introduire quelque chose dans un ensemble qui est étranger, hein, par exemple en biologie, en minéralogie, en métallurgie. Hein. Donc c'est un mot, en tout cas, qui ne retient pas l'attention de Charles Gardou. Il préfère l'adjectif. Hein. Inclusif ou inclusive. Et pourquoi? Parce qu'il dit que l'adjectif inclusif est opposé à exclusif. Et cela lui semble plus adéquat. C'est un refus de la mise à l'écart, hein, refus de la mise à l'écart des personnes jugées gênantes, étrangères, incompatibles. Et voilà la citation de Charles Gardou, hein, c'est son livre de 2012. Où il parle d'une organisation sociale inclusive, lorsqu'elle module son fonctionnement, se flexibilise pour offrir au sein de l'ensemble commun un chez-soi pour tous. Et je crois que c'est une citation importante au sein de laquelle on peut retenir l'idée de flexibilité et puis l'idée de l'ensemble commun, mais un ensemble commun qui est aussi pour soi, hein, il y a aussi un chez-soi. Hein, dans l'ensemble commun. Donc, c'est à la fois disons, le collectif et l'individuel. Hein. Donc, je me réfère à cette vision de Charles Gardou parce que, aussi, hein, dans le domaine de l'éducation, je me cite, hein, il faut se méfier des schématismes trop rapides de l'inclusion en éducation. Pourquoi? Parce que, souvent, lorsqu'on l'on parle de l'inclusion scolaire, il y a un risque majeur. C'est celui de réduire l'inclusion à l'accès physique
aux établissements scolaires ordinaires, à la présence dans les lieux destinés à tous. Mais justement, ça ne suffit jamais. Hein, ça ne suffit jamais. Il y a d'autres dimensions qu'il faut au contraire valoriser. L'accès aux apprentissages, bien entendu, mais les interactions sociales et les partages de vie. Hein. Autrement dit, il faut se méfier de ce que Bourdieu et Champagne appellent les exclus de l'intérieur. Autrement dit, on peut être à l'intérieur, à l'intérieur d'une situation, à l'intérieur d'une institution, à l'intérieur de l'école, et en même temps subir des situations de marginalisation. Donc, il faut aller au-delà de la présence pure et simple. Donc, on pourrait ajouter des commentaires, mais je crois que je vais passer vite, hein. On pourrait ajouter des commentaires sur la notion de besoin éducatif particulier, sauf que je veux bien rappeler, et fortement rappeler, hein, qu'au moment où en Angleterre, en 1978, hein, dans le rapport de Mary Warnock, hein, la notion de besoin éducatif spécial ou particulier signifiait ouverture à la pédagogie, hein, ouverture à l'attention pédagogique, et non pas une ouverture à un nouveau diagnostic. Donc, il y a l'importance du développement international, voilà la diapositive numéro 6, hein, sur le développement international de l'éducation inclusive. Je pense que ce sont des choses que beaucoup d'entre vous connaissent bien. Il y a le rapport de Salamanque, 1994, qui était orienté par l'UNESCO. Quelle est l'importance de Salamanque? Bien entendu, on peut dire que c'est le départ, hein, de l'orientation, hein, inclusive au niveau international. Mais je pense qu'il y a d'autres points importants que je vais rappeler en quelques mots. Le rapport de Salamanque insistait sur le combat contre les attitudes discriminatoires. Donc, combattre les discriminations. Je crois que c'est un point important. Un autre point important, un deuxième, que je signale, c'est que la rencontre de Salamanque ne rejetait pas les institutions spéciales. Pas du tout. Le rapport de Salamanque insistait sur la transformation des institutions spéciales pour qu'elles soient des centres de ressources, à l'appui de l'éducation inclusive dans les écoles communes. Donc, non pas élimination, mais transformation. Deuxième point que je voudrais signaler ici, c'est le fait du dépassement dans le courant des années qui suivent le rapport de Salamanque, et en particulier dans les rapports de l'UNESCO, l'insistance sur la notion de diversité. Autrement dit, l'UNESCO, et je pense que c'est un point essentiel pour nous, hein, l'UNESCO n'insiste plus sur le handicap. Déjà, Salamanque insistait plutôt sur besoins particuliers, mais les orientations de l'UNESCO insistent sur la notion de diversité. Et je reprends là un rapport de 2009 de l'UNESCO qui parle de l'ensemble des apprenants. Hein. Et je cite, hein, « L'éducation est ainsi envisagée comme un processus qui vise à prendre en compte et à satisfaire la diversité des besoins de tous. » Autrement dit, la diversité des apprenants, la diversité des apprentissages et, il faut le dire aussi, la diversité des éventuelles difficultés des personnes. Et un point important, c'est que dans ces conditions, la diversité, ça n'est pas un obstacle. C'est un peu comme la notion de crise que j'évoquais tout à l'heure. Ça n'est plus à prendre comme un obstacle, mais comme une occasion favorable au changement de pratique, au changement de représentation, au changement de pratique et contre les discriminations, bien entendu. Donc, les variations nationales, je vais en dire deux mots dans l'autre diapositive, c'est la diapositive numéro 7, si je ne me trompe pas. Donc, on pourrait parler de différents pays, montrer par exemple les grandes avancées de l'Italie, hein, qui fait figure de pays pionnier, hein, par rapport à ça, hein, qui est dès les années 70 et la fin des années 70, l'Italie a représenté un mouvement essentiel de ce que les Italiens appelaient intégration, mais qu'on pourrait nous appeler maintenant inclusion. Mais je ne vais pas insister sur l'Italie parce qu'il faudrait donner des détails nombreux et je pourrais les donner.
Mais je vais insister plutôt sur une typologie que j'ai faite avec Serge Eberson et Alexandre Sander, hein, 2016, voilà la date de notre travail. On faisait la distinction entre deux types de pays. Un type de pays où il y a une approche essentialiste des besoins éducatifs particuliers, c'est-à-dire, hein, plus exactement, l'accent sur les difficultés de l'élève, hein, et l'accent, bien entendu, sur les mesures particulières que l'on va prendre à l'égard de l'élève. Alors, ça peut être des classes spéciales, mais ça peut être aussi des mesures particulières dans des lieux particuliers au sein d'une école commune, mais il s'agit toujours de mesures particulières. Hein. Donc, c'est ce que nous avons appelé une approche essentialiste. Hein. Et puis, il y a une deuxième orientation plus ambitieuse, hein, peut-être plus utopique, hein, mais il faut aller aussi vers l'utopie. Une approche universaliste, c'est-à-dire penser le besoin éducatif particulier, non pas à partir de l'élève, mais à partir de l'environnement et de l'interaction éducative. C'est un point évidemment très important, très différent par rapport au premier point, parce que cela oblige à transformer, hein, l'environnement, transformer l'école, transformer les pratiques, orienter vers des techniques, des procédures, hein, orienter vers l'accès de tous aux apprentissages, orienter vers les aspects d'insertion sociale aussi. Et je pense que là, je crois que nous avons une autre orientation qui est peu développée encore dans les différents pays, relativement peu développée, mais qui, je pense, est la voie d'avenir, c'est-à-dire insister sur l'environnement, insister sur les pratiques environnementales, insister sur les pratiques à l'égard de tous, pour que dans les pratiques à l'égard de tous, il y ait aussi des pratiques spécifiques à l'égard de certains. Et donc l'accent n'est plus prioritairement sur les difficultés de certains, mais sur l'ensemble. Et ensuite, bien entendu, il faut donner de l'aide à certains qui en ont besoin. Je crois que c'est un point tout à fait fondamental à mon avis. Alors, sur cette même diapositive en bas, je mettais qu'il y a des difficultés et des obstacles qui subsistent. Hein. Et bon, on pourrait reprendre un schéma. Je crois que Basma Frangy a utilisé ce type de schéma, hein, peut-être avec Serge Thomaset, si je me souviens bien, hein, pour montrer qu'entre les orientations générales et les concepts, et ensuite les acteurs et les pratiques, il y a une sorte de transition, hein, nécessaire. Il faut aller jusqu'aux pratiques en partant des orientations les plus générales. Hein. Donc, je pense que c'est sans doute un des objets qui peut être dans les travaux qui vont se faire tout à l'heure. Hein. Alors, bien entendu, les difficultés que je viens de signaler rapidement, on les retrouve encore plus fortement dans le bouleversement de la pandémie. Hein. Et je voudrais ici évoquer, hein, le bouleversement de la pandémie que nous avons tous vécu, bien entendu, mais je crois qu'il faut le détailler un petit peu plus. Il y a des points communs négatifs. Points communs négatifs de ce bouleversement de la pandémie, bouleversements qui font l'objet de tous les rapports internationaux, rapport UNESCO, rapport de la Commission européenne, rapport de l'Agence européenne pour les besoins particuliers, etc. etc. Et en tout cas, ce qui est, apparaît nettement, c'est la difficulté qui a été liée à la fermeture des écoles et au confinement. Là, je voudrais citer, je ne l'ai pas inscrit sur ma diapositive, mais je vais le faire oralement. Je voudrais citer une déclaration de la directrice générale de l'UNESCO, Madame Audrey Azoulay. Voilà ce qu'elle disait. Hein. Le Covid a donné une réalité à l'impensable, un monde sans école. Donc c'est évidemment un peu provocatif, hein. Mais elle montrait très bien que dans cette période de la pandémie, du début de la pandémie, il y a eu un monde sans école. Et de fait, les données internationales sont impressionnantes. Hein. Dans le niveau mondial, rapport UNESCO encore une fois, 70% des jeunes ont été privés d'école
dans le monde entier. Et ensuite, il y a eu des grandes difficultés du fait des difficultés d'équipement des familles avec le numérique. Hein. C'est le deuxième point que je signale, les inégalités renforcées, les difficultés d'accès au numérique. Hein. Alors, pour quelles raisons? Bien sûr, pour des raisons de connexion, hein, mais aussi pour des raisons d'inégalité d'équipement des familles. Hein. Et il faudra ajouter, liées aux conditions de vie des familles, espace dans des logements très précaires. Autrement dit, le numérique, pour certaines familles en difficulté, le numérique, c'est un autre monde, hein. C'est pas leur monde. Hein. Je cite, par exemple, une réalité brésilienne, hein, au Brésil, hein, plus de la moitié des enfants inscrits dans les écoles à São Paulo ont été privés de cours à distance via Internet. Plus de la moitié des enfants inscrits dans les écoles de l'État de São Paulo ont été privés de cours à distance par Internet, hein, totalement privés. Et pourtant, l'État de São Paulo est l'État le plus riche du Brésil. Enfin, je voudrais insister aussi sur le fait que tout cela a touché, bien entendu, les familles et les enfants, hein, les plus vulnérables, enfants en situation de handicap, enfants de milieux pauvres, enfants de milieux ruraux isolés ou encore enfants issus de l'immigration, mais que ça a renforcé les difficultés propres des familles, c'est-à-dire les difficultés sociales des familles. L'alimentation des enfants devenue impossible dans les écoles, problème de garde, autrement dit, traîne les suites des coûts sociaux importants portant sur la vie quotidienne des familles et sur les difficultés des familles les plus vulnérables. Alors, il y a les aspects positifs et plus favorables. Positif, peut-être c'est un mot excessif, je dirais, des aspects plus favorables. Oui, il y a des aspects plus favorables qui montrent certains phénomènes que l'on pourrait appeler de résilience, hein, de phénomènes qui résistent quand même aux difficultés. Par exemple, des initiatives d'école et des initiatives de professeurs pour contacter les élèves dans les familles, tenter d'effectuer des continuités d'apprentissage en dehors des écoles. Hein, et donc, il s'agit là d'une sorte de mobilisation professionnelle autonome du type bottom-up, hein, si on parle un petit peu plus anglais, hein, c'est-à-dire qui ne partent pas de l'administration de l'éducation, mais qui partent vraiment des acteurs de la base, hein, et en particulier les professeurs et parfois aussi les professeurs spécialisés, bien entendu. Hein. Deuxième point que l'on a pu constater de manière plus favorable, malgré ce bouleversement de la pandémie, ce sont les phénomènes de solidarité sociale locale au sein de communautés diverses, y compris au Brésil dans des favelles, ce qu'on appelle maintenant des communautés, et ceci pour venir en aide aux personnes en difficulté. Personnes en difficulté, par exemple, pour la nourriture de base ou pour des problèmes de santé. Donc, il y a eu là des phénomènes de solidarité, de collaboration qui ont existé, je dirais, malgré la pandémie, hein, et malgré les incitations nationales, malgré les incitations des États, quelque chose qui s'est fait au niveau de la base. Je crois que c'est important pour nous, pour réfléchir, hein, aux conséquences de la pandémie et au rôle de l'éducation. Il y a des actions de base qui sont importantes. Et puis, dernier point sur les aspects plus favorables que je voudrais signaler, c'est aussi le rôle des associations, hein, associations de défense des personnes handicapées, associations de personnes handicapées elles-mêmes, par exemple, associations de personnes avec syndrome de Down, et puis l'action d'organisations internationales, de fondations privées pour l'aide aux enfants, et je crois que les organisations non gouvernementales ont joué aussi un rôle important dans l'aide aux familles et dans l'aide à l'éducation pour les enfants qui ont été privés d'école. Conséquence, hein, je vais aller même un peu plus loin, hein,
comment peut-on résumer hein, ce que je viens de dire, hein, les aspects qui sont plus favorables hein. Je crois qu'un point important, c'est ce que l'on pourrait appeler une vision holistique. Hein. Une vision holistique, c'est-à-dire une vision des actions qui ne séparent pas arbitrairement les actions en éducation, en santé, en appui social, etc. Avoir quelque chose de beaucoup plus global, avoir une vision plus globale. Hein. Autrement dit, ce que cela signifie, qu'il faut promouvoir des actions coordonnées hein, et des collaborations entre différents acteurs pour le bien-être des enfants concernés et des familles. Des formes multiples et diversifiées, donc, et diversifiées pardon, de partenariats sont nécessaires, encore plus nécessaires pour des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Et je voudrais citer ici un collègue italien de l'Université de Bologne, Andrea Canevaro, hein, que je pense certains connaissent bien. Il y a déjà quelque temps, il avait une formule absolument extraordinaire à propos de l'inclusion. Et là, il reprenait la notion d'inclusion. Il disait ceci, l'inclusion scolaire des enfants et des enfants en situation de handicap implique l'inclusion professionnelle des adultes. Je vais répéter parce que ça me semble tout à fait important. L'inclusion scolaire des enfants en situation de handicap implique l'inclusion professionnelle des adultes. Autrement dit, il ne faut pas que les adultes soient séparés les uns des autres, séparés en fonction de leur statut, séparés en fonction de leur salaire éventuellement, mais qu'il y ait des collaborations effectives au bénéfice des enfants et des familles concernées. Donc néanmoins, je vais ajouter un point important aussi après cette citation de Andrea Canevaro. Je crois qu'il faut ajouter quand même un point important. Cela n'enlève pas le rôle spécifique de l'école. Hein. Action coordonnée, certes, hein. Collaboration, certes, mais cela n'enlève pas du tout le rôle spécifique, important de l'école. Autrement dit, dans mon esprit, on ne peut pas confondre socialisation scolaire et socialisation familiale. La pandémie a pu orienter vers ce type de confusion. Finalement, on pourrait faire aussi bien l'école à la maison. Moi, je ne pense pas du tout que ce soit juste. Et je me réfère ici au célèbre sociologue français Émile Durkheim, qui montre la différence entre famille et école. La famille, pour Durkheim, relève de la sphère privée, domestique, de l'affectivité entre parents et enfants. Et c'est nécessaire. L'école relève d'une autre dimension, ce qu'il appelle la sphère publique. Mais il peut y avoir une sphère publique aussi dans des institutions privées, bien entendu. C'est-à-dire que cela relève de la constitution du lien social, de la constitution de la citoyenneté. Hein. Et en ce sens, hein, je reprends hein, ce que disait Madame Audrey Azoulay, mais d'une autre manière, en ce sens, l'école à distance hein, n'est pas vraiment l'école. Hein. Donc là, j'ai une position assez ferme, hein, qui tend à distinguer, je vais me répéter, socialisation familiale et socialisation scolaire. Hein. Cela relève de deux dimensions différentes. Bon, y a-t-il des recommandations un peu plus précises que l'on pourrait encore développer, si j'ai encore un peu de temps? Oui, peut-être un petit peu. Vous me laissez un petit peu de temps? Un petit peu seul? Oui. Un petit peu de temps. Voilà, je voulais faire la distinction, hein, mais c'est aussi une distinction classique hein, que vous pouvez retrouver dans beaucoup de travaux. Hein. C'est la distinction entre trois niveaux hein, dans ces recommandations à partir de la question de la pandémie. C'est-à-dire la question des politiques générales. Hein, et le point fondamental, c'est évidemment de développer des politiques d'éducation pour tous, hein, bien entendu, hein, et des politiques qui sont en faveur justement de la lutte contre les discriminations. Hein. Un deuxième niveau, qui est le niveau des organisations locales et l'établissement scolaire, bien entendu, hein. Avec là aussi des dimensions que l'on pourrait distinguer. Il y a le fonctionnement interne à l'établissement, avec un fonctionnement coopératif impliquant
chacun dans un travail d'équipe, hein, donc projet, hein, projet éducatif mobilisateur, hein, sur différents thèmes, hein, mais qui peuvent être justement le thème de l'appui aux élèves et aux enfants qui ont des difficultés, hein. Et puis aussi le fonctionnement lié à l'environnement, c'est-à-dire le lien entre l'établissement scolaire et l'environnement en particulier, hein, c'est un point fondamental, le rapport avec les parents, hein, comme partenaire éducatif, hein, rapport avec la société environnante, c'est la question importante de l'école dans la cité, avec des pistes de collaboration multiples, hein, les mouvements artistiques et culturels, les musées, etc. etc. Beaucoup d'orientations sont possibles dans les rapports entre école et environnement, en faveur, encore une fois, hein, de l'éducation inclusive. Et puis, il y a le niveau, hein, des pratiques, je dirais des pratiques en classe, et la question des contenus, hein, de l'enseignement. Hein. Et c'est souvent une question qui est soulevée, et fortement soulevée, par les acteurs de l'éducation. On pourrait là développer, mais je vais renvoyer à beaucoup de publications qui existent au niveau international, les publications qui essaient de tracer, hein, de faire une sorte de profil du professeur inclusif et une sorte d'orientation aussi pour un curriculum qui serait inclusif. Deux mots quand même là-dessus. Et je pense que dans les travaux qui vont être développés dans le colloque, beaucoup de choses pourraient être faites là-dessus. Professeur inclusif, hein. Eh bien, un professeur inclusif, c'est un professeur qui doit avoir d'abord une vision critique, hein. Une vision critique, il doit être capable de promouvoir les apprentissages pour tous et lutter contre les préjugés et les discriminations, hein. Donc là, c'est un rôle relativement nouveau, hein, pour le professeur, hein, lutter contre les discriminations, lutter contre les préjugés, et ceci en faveur des apprentissages de tous. Ça, je crois que c'est un point tout à fait fondamental, et on le retrouve dans beaucoup de rapports internationaux, en particulier l'UNESCO, mais pas seulement l'UNESCO, hein. Alors, curriculum inclusif, ça c'est encore une question, hein, que j'ai essayé de développer dans des publications. C'est une orientation plus que des programmes. Un curriculum inclusif, ce n'est pas un programme. Ce n'est pas un programme inclusif de mathématiques, programme inclusif d'enseignement des langues. Non, c'est plus une orientation que j'appellerais une orientation curriculaire qui implique ouverture, réinvention constante face à la diversité des enfants. Et je pense que là, nous avons affaire à un mot, une expression centrale que j'appellerais flexibilité. Avoir la flexibilité curriculaire devant la singularité des cas et parfois, effectivement, avec une part d'improvisation professionnelle. Cela implique de l'expérience, bien entendu. Cela implique d'acquérir de l'expérience en faveur des enfants, hein, et face à la singularité dans un collectif d'enfants. Je répète, hein, ce que je disais à l'instant, avoir une flexibilité curriculaire plutôt qu'un programme curriculaire, programme de curriculaire. Hein, il y a plutôt... Alors, le numérique, hein, dernier mot peut-être sur le numérique, c'est la diapositive, je crois, la dernière. Oui. Si on peut passer à l'autre diapositive, je crois que ça doit être la numéro 10. Voilà, le numérique, voilà. Je ne vais pas répéter ce que je disais tout à l'heure sur les difficultés qui se sont présentées pour les familles les plus vulnérables, les plus en difficulté, par rapport à l'accès et à l'usage du numérique à la maison. Hein. Mais rappelons-nous quand même un point important, hein, qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'il y a des usages sociaux généralisés du numérique. Par exemple, le téléphone mobile. Ce qui me frappe toujours, hein, quand je vois des populations vulnérables près de chez moi, hein, dans une favela qui s'appelle La Rossigne, hein, hein, tout près de chez moi, hein, je vois les personnes qui ont un téléphone mobile. Autrement dit, le numérique, hein, est devenu d'un usage mondialisé, y compris pour des personnes qui ont peu de ressources, hein,
Et parfois, il s'agit d'un seul téléphone mobile par famille, hein, et surtout un téléphone mobile pour la personne qui a du travail, si la personne a du travail. Mais même la personne qui a des petits boulots, comme on dit, hein, le téléphone mobile est devenu d'une pratique courante. Hein. Donc ça, c'est aussi un phénomène social, hein, qu'il faut avoir en tête. Mais, bien entendu, hein, ça implique aussi des nouveaux défis, des ressources à explorer pour les personnes en situation de handicap et en difficulté d'apprentissage. Je vais donner un ou deux exemples, hein, pour ne pas rester dans l'abstraction, même si je n'ai pas le temps de développer, hein, tous les exemples, hein. Mais le spectaculaire, le plus spectaculaire dans les transformations du numérique, pour moi, hein, ce sont les transpositions de l'oral à l'écrit et de l'écrit à l'oral, hein, pour les personnes qui ont des incapacités sensorielles, auditives ou visuelles, hein. Donc, le passage oral-écrit, écrit-oral, et ceci est utile pour nous tous, hein. Nous pouvons utiliser, hein, nous allons utiliser, je pense, de plus en plus, hein, ces transpositions technologiques oral-écrit, écrit-oral. Voilà une piste, en tout cas, fantastique d'usage. Et puis, les usages numériques pour des enfants avec troubles cognitifs, hein, sont devenus finalement des choses possibles et souhaitables, par exemple en mathématiques, hein, et aussi pour des enfants tout venant, hein, qui ont des difficultés d'apprentissage, mais qui ne sont pas reconnus comme ayant des troubles majeurs. Et on pourrait donner d'autres exemples, hein, par exemple, des enfants diagnostiqués autistes, on dirait maintenant avec le spectre de l'autisme, pour lesquels la tablette numérique ou l'ordinateur offre de nouvelles pistes d'apprentissage. Il y a une sorte de familiarité qui peut s'instaurer entre l'enfant ou l'adolescent avec le spectre de l'autisme et l'appareil, hein, l'appareil numérique lui-même. Voilà une piste d'apprentissage aussi qui est ouverte totalement. Bon, ceci dit, je voudrais insister sur un dernier point, hein. C'est que l'accessibilité pédagogique, hein, cette accessibilité pédagogique, hein, grâce au numérique, ne peut être réduite au seul aspect technique, hein. Ça n'est pas seulement un aspect technique, hein, c'est aussi un aspect fondamentalement pédagogique, et c'est le problème de la différenciation des actions. C'est le problème du rôle des professeurs comme initiateurs et médiateurs, hein, qu'il faut développer, hein. Ce n'est pas l'aspect technique, hein, qui est le plus important. Il est important, bien entendu, parce qu'il y a cet aspect technique, hein. Mais c'est l'adaptabilité des conditions pédagogiques et la différenciation des actions en faveur des enfants différents. Et puis, bien, il y a le rôle du professeur, hein. Je pense que le numérique n'élimine pas le rôle du professeur. Parfois, on a l'illusion que le numérique, que l'usage de la tablette numérique, que l'usage de l'ordinateur va remplacer le professeur. Ça, je ne le crois pas. Je crois que le professeur ou l'éducateur, de manière générale, hein, doit demeurer l'initiateur, doit demeurer le médiateur, hein, quels que soient les enfants concernés. Et encore une fois, il y a le rôle de l'éducateur au sein du groupe classe, avec les différents outils numériques, hein, avec des modalités di diverses, hein, dans une perspective inclusive, hein, fournir des réponses adaptées à tous. Et puis, il y a la dimension de l'établissement, qu'il ne faut pas oublier, l'établissement scolaire, c'est-à-dire une culture de l'établissement, hein, qui peut être enrichie, hein, justement par le développement du numérique, des nouveaux équipements, initiation aux collaborations, échange de pratiques, ce que l'on appelle aussi les espaces numériques de travail. Là, nous avons une ouverture tout à fait nouvelle, hein, au niveau de l'établissement, hein, dans cette culture de l'établissement, une culture numérique de l'établissement, mais cette culture numérique ne doit pas se faire au bénéfice de ceux qui ont déjà, hein, des pratiques du numérique, mais au contraire, hein, cette ouverture doit se faire en faveur de ceux qui ont le plus de difficultés et pour justement leur permettre de dépasser, hein, les difficultés. Je pense que là,
nous avons affaire à une orientation nouvelle, encore trop peu explorée. Hein. On a peut-être plus exploré les questions de l'usage du numérique en classe, avec par exemple les tablettes numériques. On ne l'a pas encore assez exploré au niveau des établissements eux-mêmes, des établissements scolaires eux-mêmes, qui, je pense, ouvrent des perspectives nouvelles, et encore une fois, des perspectives nouvelles au bénéfice de tous. Je voudrais conclure, hein, j'espère ne pas avoir été trop long, non, je pense être dans les horaires. Conclusion, hein, conclusion. Bah, je rappelle quand même ce que je disais au début, hein, renouveler les approches, ajuster notre regard, hein, mais dans une perspective d'ouverture à l'autre, hein, et ouverture à l'autre divers. Donc l'ouverture à la diversité, je crois que la leçon essentielle, l'orientation essentielle de l'éducation inclusive, c'est justement l'ouverture à la diversité. Hein. Et j'insiste beaucoup, beaucoup là-dessus, l'ouverture à la diversité plus que l'ouverture aux situations de handicap. Parce que dans la diversité, se trouvent précisément les situations de handicap. La diversité, c'est, disons, le panorama le plus global, hein, qui est important. Hein. Et je pense que nous avons affaire ici au point le plus fondamental. Hein. Alors, je cite Axel Honneth. Alors, je pense que je dois présenter rapidement qui est Axel Honneth. Hein. C'est un sociologue et philosophe allemand, vivant, bien vivant, je l'ai déjà rencontré, qui est l'héritier, le grand héritier, hein, de ce qu'on appelle l'école de Francfort. L'école de Francfort, qui est une école critique, de sociologie critique, mais une sociologie critique en faveur de, justement, les orientations pour l'ensemble des populations. Hein. C'est une critique qui reste critique. Hein. C'est une sociologie critique qui essaie d'aller, hein, vers des constructions et des constructions sociales. Hein. Et donc, il a écrit beaucoup d'ouvrages je cite en tout cas Axel Honneth en 2021. Je le cite. Combien plus pourrait-on gagner en termes de renforcement des institutions et des attitudes démocratiques si nous prenions plus au sérieux les leçons que la pandémie nous enseigne sur la primauté du bien commun sur les intérêts individualistes. Donc, pour lui, il peut y avoir, grâce à la pandémie, un nouveau regard sur nos institutions, un nouveau regard sur ce qu'il appelle la primauté du bien commun, et cela rejoint beaucoup d'orientation d'auteurs aussi, hein, par exemple au niveau de l'UNESCO, hein, qui oriente vers la question des valeurs. Hein, et je crois que c'est le point le plus important que l'on devrait retenir, les valeurs, la culture de la pluralité, et ceci pourrait être un antidote. Là, je cite Audrey Azoulay, hein, de l'UNESCO, présidente de l'UNESCO, directrice générale, pardon, de l'UNESCO, ceci serait un antidote contre les extrémismes et contre l'intolérance. Donc, autrement dit, la pandémie devrait nous permettre de mieux réfléchir à l'ouverture à l'autre et mieux réfléchir à la démocratisation de nos institutions. Je vous remercie beaucoup de votre attention et j'espère que tout cela va permettre des débats extrêmement riches parmi vous.